Bonjour à tous, pour la deuxième partie sur l'effet de serre. Donc après avoir fait le TP de serre, on peut comprendre un peu mieux ce que c'est l'effet de serre. Une fois la puissance solaire reçue par le sol, celui-ci l'absorbe. Donc je répète, la puissance absorbée par le sol, hein, pas celle qui était réfléchie par l'albédo. Celui-ci l'absorbe et en émet une partie sous forme de rayonnement infrarouge de longueur d'onde d'environ 10 micromètres. Et donc ce sont des rayonnements qui permettent de chauffer. Alors, c'est quoi l'effet de serre? Ben, l'effet de serre, c'est comme pour une serre. Ici, j'ai fait une serre. Pourquoi il fait chaud dans une serre? Ben, la plupart des gens vont dire, ben, si mes salades poussent bien dans la serre, s'il fait chaud dans ma serre, c'est parce que le soleil tape dessus. Donc s'il tape dessus, c'est fermé et il fait chaud. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui se passe, c'est que les rayons du soleil traversent la surface, enfin, la surface transparente de la serre. Et donc, en négligeant l'effet albédo, hein, parce qu'il y en a une partie qui est renvoyée, eh ben, le sol va absorber cette lumière visible du soleil, la lumière du soleil. Et en fait, le sol va transformer cette lumière visible, ici j'ai fait un rayon vert, en rayonnement infrarouge. Infrarouge que je vais faire ici en rose par exemple. Et donc en fait, le sol absorbe de la lumière visible et réémet, je vais faire des petites ondes comme ça, un rayonnement infrarouge de longueur d'onde 10 micromètres. Pourquoi il fait chaud dans une serre? Parce que dans une serre, il y a deux molécules principalement, deux types de molécules, que je vais faire ici par exemple en bleu. Il y a une molécule d'eau, alors une molécule d'eau c'est comme ça, hein, et des molécules de dioxyde de carbone. Donc on s'en fout un peu de leur formule, hein, je peux mettre CO2 et H2O. Alors il y en a plein dans une serre, hein. C'est un gaz, donc il y en a plein partout, hein, évidemment. Et en fait, l'effet de serre c'est quoi? Eh bien, les rayonnements infrarouges, au lieu de s'en aller comme ça, et bien en fait ils sont absorbés par les molécules de CO2, absorbés par les molécules d'eau vapeur, l'humidité, et repoussés vers le bas. Donc en fait il y a une sorte de cercle vertueux pour une serre qui se crée. La lumière visible, la lumière verte, admettons, ou jaune du soleil, va être transformée par le sol en lumière invisible, en infrarouge, en chaleur. Cette chaleur va être absorbée par l'humidité qui règne dans la serre et par le CO2. Et le CO2 et l'eau va repousser les rayons vers le bas. Donc en fait, les rayons infrarouges, qu'on pourrait appeler rayons de chaleur, sont capturés dans la serre. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la température de la serre va augmenter. Alors voilà pourquoi il fait chaud dans une serre, parce que c'est humide et qu'il y a du CO2. D'ailleurs, les Hollandais l'ont bien compris. Et pour faire pousser les tomates en hiver, ils injectent du CO2 dans leur serre, pour augmenter l'effet de serre dans leur serre. Alors c'est quelque chose qui est pas mal du tout sur Terre, l'effet de serre, hein, c'est pas quelque chose qui est négatif. Si on doit faire un schéma, eh ben on peut faire un schéma complet. C'est-à-dire qu'on va prendre un rayon solaire ici. Hop. Et de ce côté-là, on va mettre qu'il y a l'albédo. Donc je vous rappelle que là j'ai la puissance totale du soleil, et je vous rappelle que 30% du rayonnement du soleil est repoussé. Donc ici, par exemple, je prends 100%, et bien ici, j'ai 30% qui est repoussé. On n'oublie pas d'orienter comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est la Terre. Et bien, le sol de la Terre, qui est éclairé évidemment partout, hein, là je fais juste un exemple, va chauffer et va réémettre des rayonnements infrarouges. Donc ça, on peut dire que ce sont des rayons infrarouges. Donc c'est égal à de la chaleur, si vous préférez, pour simplifier. Cette chaleur, évidemment, une partie va s'en aller dans l'espace, donc elle s'en va. Mais une partie va être piégée par les molécules de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère. Donc ici, je peux mettre de la vapeur d'eau, du CO2, de la vapeur d'eau, du CO2, etc., de la vapeur d'eau, CO2, etc., etc., etc. Et du coup, les rayonnements infrarouges, une partie, va être piégée et donc retomber sur Terre. Ça va réchauffer le sol, qui va remettre des rayons infrarouges, qui vont être piégés, et ça va retomber sur Terre. Et donc, en fait, les rayons infrarouges, hop, sont piégés par les gaz qu'on dit gaz à effet de serre. Si on doit mettre la définition de l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Ben, l'effet de serre, c'est l'aptitude qu'ont certains gaz
l'atmosphère. Capturer, entre guillemets, la chaleur émise par le sol. Et à la renvoyer. Vers nous. Voilà. Donc là maintenant, on a fait la définition. Et la puissance totale du coup reçue par le sol, ben, la puissance totale reçue par le sol, c'est quoi? Bah c'est la puissance du soleil moins la puissance émise par effet albédo et plus la puissance redonnée par effet de serre. Alors, on ne demande pas de calcul là-dessus, hein, c'est juste à comprendre que la puissance totale reçue par le sol, hein, pas la puissance totale, c'est la puissance du soleil, moins celle qui est perdue par albédo, mais plus celle qui est redonnée par effet de serre. Alors, en quoi c'est bien effet de serre? S'il n'y avait pas effet de serre, sur Terre, il ferait une température négative globalement, il ferait moins 20 degrés. Avec l'effet de serre qui a été créé parce qu'il y a eu de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone qui a été produit sur Terre, on a réussi à maintenir une température de 13 degrés. D'ailleurs, avant l'apparition des végétaux, il y avait trop de CO2 dans l'atmosphère et la température de la Terre était plus élevée. Elle aurait pu être même trop élevée. Et c'est l'apparition des végétaux qui a permis de réguler cette quantité de CO2 et d'avoir une température habitable. Un point très important à noter, c'est que le CO2 que nous, autres humains, émettons, augmente drastiquement depuis plusieurs années. Et que la concentration totale en CO2 augmente très peu, mais elle augmente quand même. Et du coup, l'effet de serre augmente, la température de la Terre globalement augmente. On a gagné 1,2 degré depuis l'ère industrielle. Alors, ça paraît très peu comme ça, mais c'est comme pour le corps humain. 37 degrés, on va bien. 38,2, on a déjà de la fièvre. La Terre est donc fiévreuse en ce moment. Si on arrive à 39 degrés, donc l'équivalent de plus de 2 degrés sur cette planète, on va au-delà de très très graves ennuis que je vous présenterai ultérieurement.